mines du Grand Nord, dans les mines de charbon, il est arrivé un gars, un espèce de grand toxon. Il pesait 300 livres, il mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros Jambon. Gros Jambon, Gros Jambon. C'était un gars bien tranquille, qui parlait pas beaucoup, pis tout seul dans son coin, il prenait tout un coup. On le voyait chaque matin descendre dans la mine, avec ses deux sandwichs, pis sa canne de mine. Gros jambon, le gros jambon, gros jambon. Personne qui savait de quel coin il venait. Mais nous autres, on se doutait bien que c'était un Québécois. Parce qu'il sacrait tout le temps, pis il mordait bien les cartons, pis il avait le poil frisé comme un mouton. Gros jambon. Le gros jambon. Vois-tu pas qu'un matin dans la 8e galerie, les madriers s'écrasent pis l'explosion retentit. 23 mineurs sont là prisonniers comme des rats. Et parmi les 23, il y avait comme de raison Gros Jambon. Gros Jambon. La poussière, la fumée, pis de la stim. On a vu un géant s'emparer d'un gros bim. Le lever d'une seule main, pis l'accoter au plafond, afin de laisser sortir les 23 moribonds. Le gros jambon, gros jambon. Fond de la mine en l'air, les 23 ont rampé jusque vers la lumière, oubliant dans le fond, au milieu de la stime, il y en avait encore un qui tenait toujours son bim. Gros jambon, gros jambon. Sauveteurs ont voulu redescendre. Il y a eu comme un grand cri qui s'est fait entendre. Et tout le monde a compris qu'au milieu de la stime, il y avait le gros jambon qui venait de faire revoler le toit de la mine. Le gros jambon, gros jambon.